Hier, ouais, un soulagement parce que 4-0, ça fait du bien. Non, je gagne le troisième quand même, je suis mené 8-2, 10-6 et je gagne 13-11. Donc c'est quand même mieux d'être à 3-0 qu'à 2-1. Mais c'est vrai que j'avais l'ascendant psychologique au départ parce que j'étais à 3 victoires sur 3 avant. Et c'est vrai qu'on avait bien analysé encore la tactique et tout. Et c'est vrai que son système de jeu, j'aime plutôt bien. Et lui, je sens qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est vrai que je gêne sur pas mal de points de compartiment du jeu, surtout avec ma grande allure, avec ses services où j'arrive bien à aller jouer et derrière à repartir. Et c'est vrai que ça le gêne un peu, quoi. Et après, mes services, il n'aime pas trop remettre mes services. Ça y est, on est suivi à la trace. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, fight, hein. Il y a 6-2 là, ça va se terminer. J'espère que ça va le faire tout simplement. Bien petit. Non, puis surtout dans les avantages, retire ça, dans les avantages, t'as vraiment gardé ta tête, t'as été concentré, t'as perdu le point de top sur top, tu l'as perdu, mais tout de suite derrière t'es reparti avec de la motivation, avec de la conviction, de la conviction. J'étais énervé de le perdre celui-là parce que oui. À chaque fois que je repartais du revers ou du coup droit, que j'avançais, j'ai envie de gagner, à chaque fois que tu repars du revers, faut foutre de la sauce. Si tu mets pas de sauce, le mec il est capable de repartir. Faut vraiment que tu foutes de la sauce. Avec les tables là, en plus elles sautent. Elles sautent là. Voilà, j'ai une balle là. Interview là quand même. J'y suis donc maintenant de toute façon c'est que du bonheur mais
Voilà, émotionnellement, je suis vraiment très content, mais voilà, j'ai encore une place pour l'après. Et faut penser, et c'est maintenant qu'il faut faire ses perfs, et c'est maintenant qu'il faut aller le plus loin possible. C'est les championnats du monde, donc pourquoi pas, mais sans dire non plus je vais être champion du monde, tout ça. C'est juste faire le maximum à chaque fois et pas se contenter de ce qu'on a à chaque fois. Donc on y va. Il y a une vraie montée en pression. Un match très laborieux hier, un match maîtrisé ce matin et ce soir, cet après-midi, un très bon match. Ouais, un très bon match. Je le savais que je me sentais bien sur lui parce que je l'avais déjà battu deux fois, mais on m'avait battu aussi deux fois. Mais j'avais la rage de faire les points parce que je savais qu'à mi-distance, je pouvais gratter tous les points. Et c'est vrai qu'il y a eu des beaux points. Bon, j'ai raté le rallye, ça, je suis dégoûté. Mais c'est vrai que c'est cool. J'ai bien joué dans le petit jeu, dans les times. C'est vrai que j'ai bien joué, j'étais bien concentré. Je suis bien impliqué avec ma main et j'étais bien juste, très juste. Et voilà, et puis après, bien sûr, c'est à tous les points, j'ai pas lâché quoi. Merci, merci Dédé d'abord pour ta victoire qui nous a tous enchantés, nous tous dans les gradins. C'est vrai que je suis fier, il y a pas mal de Français dans la salle et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent sur Internet. Donc je les remercie de leur soutien et c'est sûr que je me bats pour eux. C'est vrai, ça pour te... Pour t'être battu, tu t'es vraiment battu et tu as fait un match exceptionnel, point de vue qualité, au point de vue qualité de jeu également, parce que les spectateurs qui étaient là ont applaudi ce match-là et pas les autres. Ça veut dire qu'ils savaient où était le véritable beau jeu. Et en plus, je crois que tu l'as asphyxié au point de vue physique aussi, parce qu'à un moment, il a explosé. Ouais. Alors, je te dis bravo et c'est pas encore fini. C'est pas fini. Je l'ai dit. Voilà, c'est pas fini. Meilleur souvenir à tous de Rotterdam. On pense bien à vous tous qui nous... Et supportez-nous.